Bonjour, aujourd'hui nous allons faire du pain au charbon végétal. On va prendre notre farine, on va faire un gros trou au centre et trois petits trous en haut. Dans le premier, on va y mettre le sel. Dans le deuxième, on va y mettre notre charbon végétal. Et dans le troisième, un petit peu de levure. On va y mettre un peu d'eau dans chaque trou. On va diluer le sel et la levure. On va commencer par mélanger le gros trou. On va y incorporer notre levure et notre sel. On va rajouter un petit peu d'eau. Si vous voulez, vous pouvez rajouter une fois que vous avez du levain tout naturel. On va, si vous voulez faire votre levain naturel, je vous mets en lien ma recette. On mélange bien. On va y incorporer notre charbon végétal. Une fois que tout est bien mélangé, on va y rajouter un petit peu d'eau. On remélange. Et on va y verser le reste d'eau. Une fois que vous avez mis toute l'eau, on va rassembler toute la farine au centre. Et on va tout bien mélanger. Une fois que vous commencez à avoir une pâte, on va commencer à la couper un petit peu dans tous les sens pour lui donner un peu de force. Une fois que vous avez obtenu une belle pâte, on va faire une boule. On va mettre un torchon dessus et on va laisser poser pendant une heure. On reprend notre pâte, on va bien fariner dessous. Et on va faire une forme carrée. Et on va allonger de 17 cm de chaque côté. On va couper en deux. On met une partie de côté. On va recouper encore en deux. On va prendre une plaque avec du papier cuisson dessus. Et on va poser nos quatre pavés dessus. On va mettre un torchon. Et on va les laisser pousser pendant une heure. Une fois qu'ils ont poussé, on va prendre un pochoir. Et on va y mettre un petit peu de farine sur le dessus. Si vous n'avez pas de pochoir, vous pouvez laisser tel quel. Une fois fini, on va les mettre au four à 220 degrés. Pendant 20 minutes.